Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette. Une recette de taux de semoule, de foufou de semoule sans grumeaux, inratable. Dans une casserole, je viens mettre de l'eau à bouillir. La liste des ingrédients se trouve en premier commentaire. Dès que ça bouge, je viens ajouter ma semoule en mélangeant vigoureusement. Je vais bien la mélanger. Une fois qu'on obtient cette pâte-là, je viens prendre ma spatule, je viens travailler la pâte pendant quelques minutes. Une fois que la pâte est bien travaillée, je viens ajouter de la farine de manioc délayée ou on peut prendre la fécule de pomme de terre à la place. On va l'ajouter petit à petit jusqu'à avoir une pâte bien élastique. On va bien la travailler pendant quelques minutes. Une fois que la pâte, on obtient cette texture-là, on va venir ajouter un peu d'eau chaude dessus. On va pas mélanger cette fois-ci, on va faire couler l'eau au fond. On va couvrir, on va laisser cuire pendant 10 minutes. Après les 10 minutes, je vais venir mélanger la pâte, je vais la travailler encore un peu. Moi, je l'ai servi dans des petites bols pour leur donner une forme. Donc, on met dans le bol, on va laisser tiédir et on aura cette forme-là. Moi, je l'ai accompagné avec une sauce gombo et une soupe de poulet. La recette de la soupe est déjà sur la page. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!